Mesdames et Messieurs les ministres en charge de l'environnement et du climat, Messieurs les organisateurs du présent panel, Mesdames et Messieurs, le Burkina Faso, pays sahélien, est très exposé aux effets néfastes du changement climatique, rendant les populations, surtout les femmes, les jeunes et les enfants vulnérables. Malheureusement, cette situation pourrait aller en s'aggravant si des actions vigoureuses ne sont pas entreprises. En effet, les projections climatiques font ressortir une hausse importante de la température de 1,6 degrés Celsius à 3,7 degrés Celsius, une augmentation des vagues de chaleur et une augmentation des situations de sécheresse sévère à l'horizon 2080. Ainsi, des inondations plus fréquentes et plus graves, une diminution de la recharge de la nappe, une disparition de cours d'eau pérennes, une recrudescence des cas de maladies hydriques et parasitaires, des crises alimentaires et sécuritaires sont à craindre. Face à cette situation préoccupante, le pays s'est engagé à participer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques en ratifiant la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1993 et l'accord de Paris sur le climat en 2016. Cet engagement s'est traduit par l'élaboration et l'adoption en 2015 du Plan national d'adaptation au changement climatique, faisant du Burkina Faso l'un des premiers pays au monde à soumettre son plan national d'adaptation à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Au niveau national, la politique de son Excellence, M. Roch-Marc-Christian Kabore, président du Faso, à travers les 10 chantiers du programme présidentiel et le deuxième plan national de développement économique et social, PNDS 2, qui va de 2021 à 2025, fait une place de choix à la lutte contre les effets du changement climatique. C'est dans cette même dynamique que lors de sa déclaration faite à l'occasion de la 76e conférence des Nations Unies tenue le 23 septembre 2021 à New York, le président du Faso a traduit l'engagement et la volonté manifeste à apporter une réponse efficace au changement climatique en mentionnant que la fréquence des événements extrêmes avec leurs terribles conséquences nous interpelle sur l'urgence d'une action forte et concertée. Et au Burkina Faso, on estime à 34% du territoire la superficie des terres de production dégradée du fait non seulement de l'action de l'homme, mais surtout de la sécheresse et les inondations endémiques. Pour réussir donc notre combat, a-t-il poursuivi contre la crise climatique, l'adaptation est primordiale. L'évaluation de la mise en œuvre du plan national d'adaptation 2015-2020 réalisé en juin 2021 fait ressortir une atteinte des objectifs d'environ 50%. Cette performance relativement faible est due à plusieurs raisons, dont la principale est la faible mobilisation des ressources financières et l'insuffisance de communication. Après cette évaluation, le Burkina Faso a entamé le processus de révision donc du plan national d'adaptation. Il me plaît de rappeler ici le soutien inestimable du réseau mondial donc de plan national d'adaptation à mon département à travers notamment le renforcement des capacités des acteurs en matière de suivi et évaluation du plan national d'adaptation. L'évaluation de la mise en œuvre du plan national d'adaptation pour la période 2015-2020. L'élaboration de la première communication sur l'adaptation. Malgré ces différents acquis, des besoins existent et ils sont immenses. On peut citer entre autres la poursuite du renforcement des capacités des acteurs sectoriels et de coordination du suivi et évaluation du plan national d'adaptation. La formation des cadres de niveau master et doctoral de mon département dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, l'accompagnement à la relecture, la diffusion et l'appropriation de la nouvelle version du plan national d'adaptation et de la communication sur l'adaptation au Burkina Faso, le renforcement des capacités des acteurs nationaux
sur l'identification, la préparation et la gestion des projets et programmes d'adaptation au changement climatique, l'accompagnement des acteurs nationaux dans la mise en place d'une base de données désagrégée jusqu'au niveau local sur les risques climatiques, la vulnérabilité des communautés et les impacts socio-économiques des changements climatiques en vue de l'élaboration de projets et programmes d'adaptation bancaires. L'appui à la conception de projets et programmes d'adaptation au changement climatique à soumettre au Fonds climatique, Fonds vert et Fonds d'adaptation et les autres fonds. Voilà donc ce qu'on peut dire sur donc, les actions menées par le Burkina Faso et je vous remercie pour votre aimable attention.